Salut à toutes, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de mes présentations, de mes achats. Ceux qui me suivent le savent déjà, je suis allé faire les boutiques hier, puisque évidemment, il y a eu la sortie officielle de Évolution Céleste et j'avais envie de voir un petit peu l'état des lieux de tout ça. Et ben franchement, c'est une galère. Voilà, alors on va commencer par Évolution Céleste, ce que j'ai pu trouver. Ça a vraiment pas été facile, mais bon, ça va, je suis quand même pas mécontent de mes trouvailles. Tout d'abord, le petit cadeau qui fait toujours plaisir, les Jumbo pour les 25 ans. Celui-ci, je ne l'avais pas. Voilà, c'est distribué par King Jouet. Je crois qu'il y a d'autres boutiques hein, qui le font pour 25 euros d'achat. Ils vous offrent les 3 quarts Jumbo. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais on n'est pas sur Évolution Céleste. Mais c'est pas grave. Alors après, j'ai réussi. Alors, il y a limitation, pas limitation, etc. Bon, j'ai réussi à avoir pas mal de petits boosters individuels avec le Duralugon en forme Gigamax. Je suis pas du tout fan de cette illustration. Dites-moi en commentaire si vous la kiffez. Je suis plutôt fan des autres. Alors, il y a eu un petit Noctali qui est, je trouve, incroyable. Un Rayquaza qui est magnifique. Un Infali qui est magnifique. Et enfin, un autre Noctali. Voilà, ça, ça va être directement dans ma collection de scellés. Ça, c'est plutôt chouette. C'est mes objectifs un petit peu d'avoir un set complet de cette série-là. Moi, je les trouve très, très beaux, ces boosters. Et puis, le packaging comme ça en carton, je suis fan. Franchement, je préfère largement cette version-là que les versions avec le blister rigide, là, dégueulasse. Bon, après, j'ai mis la main sur 3 tripacks. Ouais, c'est plutôt pas mal. 3 tripacks, ça fait plaisir. On a Becca Glaçon en carte promo. Alors, le jeton, c'est Reiku. J'étais assez surpris. Je pensais que c'était un Dracolos. J'ai dû me planter. Enfin, j'avais ça dans la tête. Dracolos, ben non. Hein, voilà, visiblement, c'est pas Dracolos. Et on a le Rayquaza qui est vraiment mis à l'honneur dans cette série-là. Très, très sympa. Donc, un tripack avec le Becca Glaçon, mais aussi un tripack avec Noctali. J'ai deux tripacks avec le Becca Glaçon. Voilà. Bon, Becca Glaçon, je suis pas fan de cette carte promo. Elle est pas si mauvaise, mais je suis pas fan. Noctali est plus sympa, même si je trouve qu'ils auraient pu le mettre plus en valeur, le Pokémon. Voilà. Ça, c'est pour, Évolution Céleste. C'est tout. Voilà. Bon, je suis pas mécontent. Ça me va. J'aurais préféré avoir un petit peu plus d'items, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Je me suis pas levé à 8h ou 9h pour faire la queue dans les boutiques. J'aurais pu le faire. J'aurais peut-être dû le faire, mais bon, j'avais pas trop la foi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, j'ai eu la bonne surprise de trouver les coffrets Silver Roi. Alors ça, c'est vraiment chouette. Là, on est sur le Cavalier de l'Effroi avec le Spectreval. Très sympa. Donc là, on est plutôt sur Reine de Glace. Bon, ben, c'est pas grave. J'ai ouvert pas énormément de boosters de Reine de Glace. Ça sera l'occasion. J'en ai eu deux. Donc, un qui me permettra d'être gardé en scellé et puis un autre, tout simplement, pour l'ouverture. Et enfin, Silver Roi, le Cavalier du Froid avec Blizzval. Et là aussi, pareil, j'ai eu la chance d'en trouver, tout simplement, deux. Voilà, donc ça va me permettre de faire une petite ouverture dans les jours et les semaines à venir, hein, tout simplement. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis en garder un en scellé, parce que franchement, moi, je le trouve très, très stylé, hein, ce coffret. Il est magnifique, même si Reine de Glace. Bon, voilà. Et puis un petit truc en plus que j'ai voulu prendre, voilà, pour le fun. J'ai trouvé ça assez joli. Je crois qu'il y en a 10 différents, des porte-cartes. Moi, j'ai trouvé assez joli avec Carapuce. J'ai trouvé ça assez fun. Vous le voyez pas très, très bien, parce que c'est c'est assez gros, quoi. Voilà, j'ai trouvé assez cool, bien fun. Et puis Nymphali est magnifique, hein, comme ça, je trouve que c'est super joli. Alors je crois qu'il y en a d'autres. J'ai pas vu tous les illustrations, je crois qu'il y en a 3. Et il y en a un que j'ai pas vu, j'aurais bien voulu voir l'autre. Peut-être qu'il y a un Salamèche. Ça serait plutôt chouette. Voilà. Et enfin, je fais toujours mes petits tours de vide-grenier permanent. Voilà, c'était l'occasion. Puis je me suis trouvé un petit Mortal Kombat sur Xbox. Voilà, 2 euros. Franchement, c'est top. Il est complet. Le CD pas trop dégueulasse. Et ben, c'est une très, très bonne rentrée. Voilà, je suis super content. Moi, j'espère que de votre côté, vous avez trouvé des items. J'espère. J'espère que, franchement, ils feront des efforts pour en remettre hein, durant les jours et les semaines à venir. Et qu'ils arrêtent aussi avec toutes ces limitations. Hein, parce que voilà, c'est quand même aussi pénible hein, parce que c'est quand même un jeu de cartes à collectionner aussi. Alors évidemment, c'est à jouer, mais enfin bon, quand on veut jouer, il faut avant de jouer, il faut avoir les cartes, évidemment. Donc si on ne peut pas les avoir parce qu'il n'y a pas d'ouverture de booster, quand on limite à certaines enseignes, limité à, je crois que c'était 3 monopacks et 1 tripack. C'est-à-dire que ça fait quand même
6 boosters, c'est pas énorme quand même par personne. Mais bon, après, je peux comprendre, hein, visiblement, il n'y a pas de stock. Donc, c'est assez compliqué. Bon, bref, on va clore le sujet. Hein, c'est pas le but aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer tout simplement mes achats. Voilà, très prochainement, on va s'ouvrir. Alors, pour l'instant, j'ai bien envie de garder un tripack en scellé. Hein. Je vais me focaliser sur, même si j'aime pas celui-là, sur le Noctalie, je le trouve plus sympa. Mais on va s'ouvrir très rapidement un petit tripack. Hop, BK Glaçon, voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire les coffrets que vous voulez que j'ouvre sur la chaîne, hein, que ce soit le Silver Roi, les deux Silver Roi ou le Noctalie, enfin non pas le Noctalie, le BK Glaçon. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne, portez-vous bien. Ciao, ciao.